Tu me trouves toujours canon, là. Carrément. Tu l'as réparé ? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle ? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Ça fait du bien. Écoute, je suis vraiment désolée pour la nuit dernière. C'est rien. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici le secteur 13, unité Lima à proximité. Combien de SCAR ? À vous. Ce ne sont pas des SCAR. Il s'agit d'un homme seul, armé. Tu penses à ce que je pense ? C'est Tommy. C'est où le secteur 14 ? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. D'accord. Tina. Ouais. Ça va pas fort. Hey. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Ça te portera chance. Je crois pas en la chance. T'as tort. Ok, Hillcrest. C'est le bon endroit ? Ouais, c'est le bon endroit. Ça doit être Tommy. Chier.
fais comment pour monter? Merde! Ces connards sont trop nombreux. Tiens bon, Tommy. Ah, dégueu. On devrait foncer dans le tas. On sécurise le périmètre, donc on n'a pas d'autres ordres. Ouvre l'œil, au cas où il se pointerait. J'ai quelque chose. Oh, merde. Les infectés. Faut comment? Allez, Annabelle, piste-le. Tu crois que ce type a un lien avec la fille de l'école? C'est pas le cas, une putain de coïncidence. Je déteste ces petits groupes. Avec les grands groupes, on peut les bastonner. Mais là, ils peuvent se cacher n'importe où. C'est clair. On le trouve, et après on rentre. Elle a dû flairer un truc. Tu sens quelque chose? Je crois que ça venait de là-bas. Que dalle. On y va.
Ok. Entendu. Ça a marché. Quoi, ce truc? Une sorte de bombe? Huh?
Thank you.
Wow. C'était quoi? Oh, merde. J'espère que c'est toi qui as fait ça, Tommy. Ouais, ça va le faire. C'est pas con comme façon d'utiliser les mannequins. Autre intrus, c'est une fille. Est-ce que tu l'as vue? Je sais pas, mais l'autre est pas loin. Ah merde! On cherche deux intrus! C'est quoi toute cette fumée? Il a fait sauter un de nos camions. Et comment c'est possible? Contente-toi de les retrouver. Trouvez-moi ces putains d'intrus, ok?
Quoi? J'ai quelque chose. Je vais voir ce qui se passe. Ok. Elle a filé de la maison. Ici. Oh merde! La vache! Autant d'escouades pour un seul intrus. À cause de ce qui s'est passé à l'école et à la station télé. Je croyais que c'était les SCAR, ça. Ouais, mais on pense que ces intrus sont de mèche avec eux. Restons sur nos gardes. Huh!
Ils l'ont trouvé. On va les aider. Chope-la ! Arrête-la ! Chose ? Non, rien. Putain, c'est quoi tout ce bordel avec ces intrus ? On a qu'à en choper un pour l'interroger. Non, pas question. Faut pas prendre de risques. Je crois qu'on a de la compagnie. Je vais voir ce que c'était. J'ai du mouvement. Va vérifier. Pas de problème. Allez. Shannon, tout va bien ? Aucun problème. Elle a dû flairer un truc. Qu'est-ce que tu sens ? Bon, allez ! J'ai vu un truc. J'y vais. Juste ici! Contrôle, c'est parti. Faites gaffe, Oscar. Hein ?
vont fumer là. Allez, allez, allez. Putain. Tu peux me dire ce que tu fous là? Comme si j'allais vous laisser partir seule. Jesse. Où est Dina? Elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Elle va bien. Déployez-vous! Elle est partie par là! Oh putain, ils sont nombreux. Ça va? Tu tiens le coup? Ça va aller. Tes potes me sont tombés dessus. Sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. J'essaie! Jesse!
Viens. Vas-y. Par là. Ok. Dina. Salut Dina. Est-ce que ça va? Faut juste que je me repose un peu. On devrait rentrer à l'intérieur. Ouais, allez, viens. Doucement. Maria t'a laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade? Non, c'est... seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? Non, laisse. Oh, t'es pas obligée de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es parti quand, Dad Jackson? Un jour après vous. Et la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. Non? Tout va bien? Ouais. Ouais, ça va. Ok. Franchement, boudé pour si peu. C'est vrai, quoi. J'oublierais mon propre anniversaire si elle n'était pas là pour me le rappeler. Tu devrais simplement t'excuser. J'ai juste dit que... Bon, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Pourquoi? Je le vois à ta tête quand ça va pas. Je réfléchis juste à des trucs. Hésite pas si jamais tu veux en parler. Ok. Il en reste là-bas. Combien? Pas beaucoup.